Yo 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 yo, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire du rétro Clash Royale. Bon, vous êtes pas sans le savoir, il y a un petit défi là qui vient d'arriver, il s'appelle Rétro Royale. En fait, vous avez le choix parmi des cartes qui étaient là au début. Et quoi de plus rétro, quoi de plus kiffant à jouer que le 2.6? Franchement, j'ai vu le défi, ça m'a hypé. Hein. Ce petit défi là, Rétro Royale, je me suis dit, ah, non, obligé. Là, on sort le 2.6, on sort le beau jeu, on s'éclate, on sort les mécaniques incroyables et c'est parti. Donc on a le 2.6 complet hein, évidemment parce que, enfin voilà, vous connaissez hein, ce jeu, ce deck est présent depuis les débuts, depuis les balbutiements du jeu. Hein. C'est le 2.6, c'est Clash Royale, hein. C'est vraiment le deck numéro 1 de Clash Royale hein. En termes de, bah voilà, Clash Royale 2.6, c'est la base de la base. Bon là du coup il nous met une petite horde pour de map, ok. J'étais pas prêt à ça moi, j'étais pas prêt. Hein. Il aurait pu prévenir quand même vite fait. Ok, boule de feu. On va bloquer, voilà, mousquetaire, on connaît les bails. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprotéger notre mousquetaire, histoire qu'elle ne meurt pas. On va mettre un cochon. Petite boule de feu, ça, on va tuer le sorcier. Et là, voilà, et là, les bons dégâts qui passent. Alors, regardez, le cochon, il se fait plaisir. Là, il se met tranquille, il se met bien. On va la remettre au milieu de map, tranquillement. Allez, viens là au milieu de map. Bon, elle va mettre quelques dégâts, mais ça va. Ouais, parce que là, derrière, on peut bloquer lui. Là, on a plusieurs choix. Soit on décide de remettre un cochon avec, mais on va remettre un cochon. Genre tranquille. Voilà. Le dragon il tape pas, il a pas le droit, hein. Il a pas le droit de vivre. Là on peut juste remettre une bûchette. J'attends de voir s'il met autre chose, mais sinon je mets juste la petite bûche. Oh ok. Lui il est là, donc il va faire comment lui on le gère comme ça. On va quand même remettre une musk avec, je crois. Ouais, il y a une rage en une musk. Oh. Ça tire à l'arc. Et là on a le choix, soit on rajoute un petit esprit de gel, soit on la laisse tomber. Je pense que je vais rajouter un esprit de gel, juste pour lui dire, hey mec, là il va mettre une valk, normalement. Vu qu'il valk, on va mettre, on remet juste les squelettes en vrai. Les petits squelettes. J'ai dit avec les golems de glace, on serait pris 0 dégâts, mais en fait squelette on fait 1 de value. Et là la valk elle nous met 0 dégâts aussi, ouais, donc c'était largement rentable. La petite combo, là c'est la base, hein, c'est la base du 2.6. Je me permets de faire ça parce qu'on est quasiment en x2 et donc je sais que j'aurai de l'élixir en gros pour défendre derrière. Donc là on peut faire ça, petit esprit de gel, petit tas de squelettes. Regardez ça, la mousquetaire! Et ça, c'est tellement kiffant! Vous avez une petite mousquetaire là, elle fait le travail de 30 armées à elle seule. Hop, ça retombe. Le petit bébé dragon. On peut reprendre un golem de glace. On peut remettre une mesque. Ah, il a envie, hein. Il a faim. Si je veux tuer du bâtiment chez lui, hein. Voilà, bon, le bébé dragon, il va mettre quelques coups sur la mesque, mais en théorie, il la tuera pas. Voilà, c'est comme il la tue pas. On peut repartir en cochon. Et là comment il gère le cochon? Il a clairement de squelette. Vous êtes prêts? Armée de squelette dessus. Allez! Allez la bibuche. La petite bichette qui passe. Ah oh, ça régale. Il est vraiment marrant à jouer ce deck. En plus ça vous savez, il n'y a pas. Ok, il peut y avoir tornade, mais il n'y a pas tout ce qui est cache goblin, etc. Enfin il n'y a pas tous les trucs un petit peu embêtants comme ça. On va vite remettre un golem de glace, on va mettre une bûchette sur lui parce qu'il le mérite. Voilà, c'est une vérité. Si vous voyez un sorcier, c'est qu'il mérite probablement de se prendre une bûche ou une boule de feu. C'est un petit tarif de base, les sorciers ils aiment ça. C'est recommandé, hein. Sur les sorciers, il faut vraiment pas hésiter. Oh, Grader! Il joue pas? Falco il était pas prêt, hein. Il attendait Fox. Ok. C'est bon, Falco est là. Ah oui, il a vraiment pas le temps en fait. C'est genre de mec un peu pressé. On va faire comme ça. Le PK va s'occuper un petit peu. On peut renvoyer un petit cochon. Ah, mini pec. Oh, mini pec, ça c'est embêtant. Hein. Les mini pecs enfin, vous connaissez, hein. Vous connaissez l'histoire. Hein. Ça on aime pas trop. Hein. Donc on va faire comme pour PK au final. Parce que là on va utiliser un gomme de glace en plus. Hop là, viens ici. Lui on va juste le def au squelette, plus à la bûche. Voilà, on prend quoi? Un coup ici? Non, là on prend pas plus. Ouais, ça va. 264, on est bien là. 1123 HP en face. Ah, il est pas bien avec ses doubles PK là contre notre deck. Parce que nous on a les squelettes, on a la mousquetaire, on a les trucs. Certes, PK ça défend cochon, mais derrière on en fait ce qu'on en veut chez nous. Donc ça c'est vraiment chouette.
On va renvoyer un petit cheveu sur le cochon, tranquillement. J'ai envie de lui dire, vas-y, pose PK. On va refaire le cycle de tout à l'heure, voilà, PK qui est posé. Le cochon qui met une petite frappe. Nickel. Là, on peut mettre notre mousquetaire tranquillement. On va mettre à droite. Lui, on va le faire tourner. Viens là. Oh, il tourne pas! What the fuck? Oh, je regarde le replay. Hein. Pourquoi il tourne pas là? Qu'est-ce qu'il me fait là, le cochon? Enfin, le PK là. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pas grave, on va le gérer autrement. Hein. Tous les moyens sont bons. Hein. Lui, le sorcier, on va l'ignorer. Parce qu'il le mérite. Il mérite d'être ignoré. C'est bizarre ça. Mais non, ton roi est pas activé! Oh, il prend 3 coups de cochon, c'est beaucoup. Hein. On va finir à la vue du coup. Tu repars en pêche à gauche. Ça, il va devoir mettre. Oula! Ok. Ouais, je voulais qu'il mette son mini pec. À la base, c'était ça que je voulais qu'il utilise. C'est bon, il a utilisé le mini pec. Nickel. Donc, on va mettre une mousquetaire au fond. C'est là, c'est vraiment kiffant ce deck à jouer. Le bonheur. C'est le deck bonheur un peu. Allez, on va mettre une deuxième mousquetaire parce que c'est marrant. Parce qu'on le peut, parce qu'on le veut. Toutes ces bonnes raisons de mettre des mousquetaires. Allez, on est parti à gauche. Allez, on n'a pas le temps. Non, 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 tu tues pas. Ah. Il vient de mettre un coup. Il nous a mis un coup, le vilain cochon. 880. Non, on est bien, on est bien. Let's go. Ah, le double PK, il était pas prêt. Hein. Double PK. Ça, des fois, ça peut être embêtant. Des fois, vous avez des decks, vous êtes en mode. Ah non, je joue vraiment PK et mini PK. Genre, en plus, mini PK, c'est une des cartes qui a été le plus demandée d'être nerfée dernièrement, tellement elle est. Bah, elle met des patates quoi, c'est embêtant mini pec. Allez, on va chercher les deux dernières victoires. On est là, on est présent. Oh, on a le cochon en main de départ. Là, voilà, on est vraiment goldé, là, on est bien. On met une petite émote. Petite émote pour dire bonjour. Je suis au chat de cochon qui est envoyé. Oh non, pas Zappy, pas Zappy, pas Zappy. Oh là là, regardez mon cochon comme il va se faire oxyre. Regardez-le comme il va devenir un cochon grillé. Voilà, c'est un dégrillé. Il est content en fait. Ouais, moi j'ai Zappy. Bon, ok, comment gère ça nous avec une boule de feu là-dessus? Avec elle, avec tout le monde. Prix de gel. Il le tue quand même, hein, normalement. Ah non! Oh là là, la tornade! Bien vu! Bon, allez, vas-y, on bourre. Hein. Il a tout claqué là. Ah, oh, la tornade claquée! Je me dis, mais non, mais ça marche pas ça! Mais c'est bizarre! Oh là, du coup, les dégâts qu'on met quoi. Oh, le golem de glace, il a tout mis. Hein. 70-40 fois sur la tour, là, il était là. On pouvait compter sur le golem de glace. Donc lui on peut. Ouais on va le gérer comme ça, comme ça. Oh c'est propre. Incroyable. Là on peut du coup repartir en golem de glace devant. Je pense que ça va l'embêter ça. Je sais pas exactement ce qu'il a dans son deck mais je parie que ça l'embête. On repart en cochon avec. Ah il a l'armée de squelette. C'est pas mal hein, l'armée de squelette hein. Vous avez vu comme ça défend bien. Pour 3 là il vient de défendre 10 hein. À l'aise. Bon, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de gérer son armée. J'ai quand même toutes mes options défensives. Hein. J'ai ma musque, mon esprit de gel. Là on est bien. Je vais prendre quelques coups, mais ça va. Deux coups, un coup. Deux coups de squelette. 2 x 67. Ça va, ça va. On sait qu'il a l'armée et tout ça. On va remettre une musque fond de map du coup. On va lui donner de l'esprit de gel en sacrifice. Et après on lui mettra des squelettes autour, un truc comme ça. Commence, mais il recommence. Il apprend de ses erreurs. Oui, non, mais non, pas du tout en fait. Pas du tout. Ok, alors est-ce qu'il nous faisait une armée de squelettes ou juste PK ici? Parce que juste PK ça va être tendu hein, pour lui. Hein. Mais j'ai encore raté mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pas que ce soit gênant. Hein. Si on en rate un, on en refait un. C'est l'avantage du 2.6. Hein. Il n'y a pas le temps. Ah oui, à portée d'une bûche. Une bûche pour aller le finir. Une petite bûche à droite et on sera bien. Je sais pas pourquoi j'ai remis un coucheur. Ah si, je suis dit en fait, je finis sa tour, comme ça, ça va continuer à remettre de la pression à droite. Et ça va être intelligent. Ouais, c'est pour ça que je fais ça. Oh là, ce qu'il prend le zapi. Oh là 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 là. Oh le pauvre. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud patate. Parce que nous, en fait, ce qu'on en veut, là, on le remet milieu de map, on met un golem de glace, on prend la tour de gauche, enfin, 2.6 quoi. 2.6, vous tournez le deck, vous faites plaisir. Enfin, c'est le kiff quoi.
Bon, là. Je pense que c'est un deck qui passe bien dans ce défi. Je pense vous pouvez vous mettre bien. Prenez un petit 2-6, vous faites plaisir. 6 victoires. Rétro Royal, il passe. Allez, Iverson. Est-ce que Iverson va réussir à le faire? On va lui balancer un cochon cash. Nous, on n'a pas de canon s'il balance un cochon cash. On l'a pas en main. Enfin, c'est moi, il joue prince. Et MG. Peut-être un golem. J'avais pensé aussi à faire un golem prince pour le plaisir. On va voir ce qu'il joue. Hein. Et là, il va mettre un sort sur ma mousquetaire en théorie. Ok, c'est un poison. Ça ressemble beaucoup au golem. Hein. Ça ressemble beaucoup à un golem prince. De toute façon, on va partir en esprit gel cochon ici, je pense. Puis il va tornade. Si c'est vraiment un golem prince et qu'il joue tornade, ça va partir direct. Hein. Double prince, électro sorcier. Ça a quand même des airs de golem prince. Ça peut être géant prince aussi. Mais... Non, tu restes là, toi. Allez, on sauve les mousquetaires. On est des personnes comme ça. On sauve les mousquetaires. On est toujours bien avec les mousquetaires. Là, il va devoir reprince du coup sur la mousquetaire. C'est sûr. Ok, la MG. La MG, elle fait 0 dégâts, elle. Hein, donc, elle, on va l'ignorer bien comme il faut. Le prince, il devrait tomber sans mettre de coups en théorie. C'est bon. Et la MG, elle met qu'une patate. Donc, ça va. Oh, le début de partie qu'on a fait là, il est incroyable. Hein. On est tellement bien. Oh, cette gestion. Juste il fait une bûche. Il y a des squelettes full map. Frigel à droite. Cochon. Est-ce qu'il a rage quit là dessus? Genre il s'est dit non j'en ai marre de lui. Oh il a rage quit. Oh Iverson. Iverson qui fait. Il le fait, il fait le rage quit. Sans souci, hein, sans sourciller, le petit rage quit qui passe. Mais non, Iverson. Oh là, et on a réussi à faire rage quit un joueur au 2.6 quoi. Ça va être dans le titre de la vidéo. On fait rage quit un joueur en rétro royal avec le 2.6. Ah, pas mal. Ah bah non. Ah là, no fun hein. Iverson sert for fun 0 hein. Le fun il a oublié hein. Là il est parti en mode tryhard. Il est parti en mode. On va checker son profil Iverson. On va regarder ça tout de suite. C'était bien un géant, hein. C'était bien un géant double prince. Regardez, il avait un gros niveau de carte en plus. Hein. Le deck, il le maîtrise, hein. Il est là. Hein. Aïe. 370 000 cartes de clan récupérées. Ah oui, il est présent. Hein. Lui, vous le voulez dans vos guerres de clan. Hein. Lui, il est présent, regarde. Et on se laisse là-dessus pour cette vidéo. On va se retrouver sur une autre vidéo qui va arriver dans la suite pour la partie Modern Royal. Je vais réfléchir à un petit deck maison, un petit deck qui va pas bien passer pour Modern Royal. Et je vous l'upload, je vous le partage dans la foulée. Voilà, donc stay tuned. Il y aura une autre vidéo sur le Modern Royal. C'est vraiment kiffant ces petits défis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous.